Et bonjour tout le monde! Alors, la dernière fois, je me suis fait prendre le château de Garantor par les Vlandes qui m'ont attaqué par derrière. Et je pense qu'ils vont en profiter et s'attaquer encore à d'autres châteaux. Là, ils sont quand même 335 et ici 518. Dis donc, ça monte très vite. Alors, mais il y a aussi le groupe de Miron qui sont en défenseur pour le moment. À part ça, je pense que le reste, ils sont quand même assez bien défendus, ça devrait le faire. Je vais voir après comment ça va se passer. Maintenant, nous avons également l'armée d'Icratia qui y réfléchissent. Je vais en profiter pour aller recruter. Eh ben, je peux pas, parce que mes villages se sont fait piller. Je vais voir comment ça va se passer parce que là, il n'y a que 36 défenseurs. Nous sommes que 946. On va pas être énorme. Donc ils assiègent directement la guetta. Je pense que l'idéal, en plus il y a 169 recrues, ce serait de les attendre et puis d'aller les attaquer tout de suite. If you please, Voilà, stop vous êtes juste à there. côté de chez moi. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il y a une autre armée qui arrive? Non, ça va. Suis le groupe, donc en fait ils allaient la rejoindre. Maintenant, ici on est en tenue de combat. J'espère qu'il n'y a pas trop de blessés d'ailleurs. Je pense qu'on est au complet. 326 à 330, je crois. Le groupe maximum, enfin bon, bref, je sais plus exactement. En ennemi, on a qui? Brannock, on n'a qu'un seul ennemi. J'ai beaucoup d'amis. Bonne chose à savoir. Alors, on va attaquer. On va voir comment ça va se passer. En tout cas, ils avaient l'air de s'éloigner, donc je ne pense pas qu'ils vont venir attaquer. Est-ce qu'ils sont juste là en face ou derrière le fleuve? Je ne sais pas encore. Mais je pense que l'idéal, ce que je vais faire, ici on est 109, ceux-là, on va les avancer là. Eux, en position comme ça. Ils vont s'avancer ici. Ceux-là, on va les avancer là-bas, par contre. Ah bah ça ira très bien. Et eux, on les avance ici. Et puis ceux-là, on va les mettre là. Ok. Non, ils sont juste à côté, en plus. Alors là, j'aurais pas cru. Archers montés, ils sont 6. Tout le monde a l'air de venir. Ok, bah écoutez. Si vous le sentez comme ça. Ça ne me pose pas de problème. On va les faire motiver. On va les motiver à les faire venir ceux-là. Ils ont l'air de débarquer quand même, hein. Est-ce qu'ils ont changé d'avis? Un petit peu visé là quand même. On va le laisser venir. Approchez, approchez. Déjà 76 morts chez eux. Ils ne voyaient rien.
Mon dieu, mon dieu, mon dieu. J'aurais dû envoyer la cavalerie avant. Les renforts. Ouh là là, attention à ma cavalerie. Ils vont prendre cher sinon. Reculez immédiatement! Regardez-moi cette bande de recrues là. Il va falloir que je fasse attention à ma vie quand même. Ils ont encore des renforts ou pas? Pour le moment ça a l'air d'aller hein. La bataille n'est pas terminée encore. Il reste encore trop de fuyards. Tout s'est terminé là. Parfait. 77 morts. Bon. Prisonnier. C'est tout ce que j'ai gagné. Là, je pense qu'on n'a pas mieux. Ok, c'est 825. Propriétaire de la guetta. Donc, en gros, avant, c'était ceux-là. On va leur donner encore une fois. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Par contre, il faut que je fasse attention quand même aux Vlandes. Aux Vlandais, je me demande s'ils vont attaquer ou pas par là-bas. Moi, je devrais m'avancer un petit peu encore. Je devrais surtout récupérer encore des troupes. Là j'en ai besoin. Ils sont 150, ils sont en train de monter une armée. On va te planquer. Et tu vas faire quoi? ?207, ils font quoi? Ils vont sur la guetta. Ok.
On va retourner à la guetta. Avec 46 défenseurs, je pense qu'ils vont attaquer directement. C'est quand même très mauvais, ça. 246. Vers Primessos pour attaquer ça, ça doit être une ville. 206. Allez, j'envoie les troupes. 28 morts, c'est parfait. J'ai l'impression qu'ils sont quand même meilleurs hein, quand j'envoie les troupes. Je perds moins de monde. L'IA est meilleure que moi. Allez, on va revendre direct. 75 000. Ouh, c'est quoi cette histoire? Ah, ils ont que 7546, et bah dis donc, on va revendre ailleurs, hein. Ça c'est sûr. En nourriture, est-ce qu'on est bon encore? Ouais, on a 65 jours, je pense qu'on est bon. On va prendre ça quand même. Allez, ça fait 60 défenseurs. On va passer sur Primessos. Un petit peu plus de recrues. Voilà, vous avez bien raison, c'est plus facile pour nous de vous choper. Allez, je vais envoyer encore les troupes pour voir. 33 morts, franchement, je sais pas si j'aurais fait mieux. Ensuite, en commerce, ils en ont un petit peu plus, mais c'est pas encore ça. Tulle de Prince, il m'intéresse pas. Ici, on fait comme avant. On revend tout ça. Je pense qu'on est bon. Juste pour savoir, ici, savoir, on n'est pas trop mal. Ici, j'ai pas. Ah, si, j'ai gagné un petit point, mais c'est pas grave, on verra ça une autre fois. Pour le moment, ils n'ont pas l'air d'attaquer ailleurs. Alors, eux, ils vont faire quoi? On ne sait pas trop, mais on va les choper, ceux-là. À la guetta, ils veulent assiéger. It's been a while. On va attaquer. Ouais, eux, c'est chaud, hein. Franchement. Là, j'ai pas le choix que d'attaquer par moi-même. Ouh, on a perdu quand même pas mal de cavalerie, ou bien c'est le fait que. Non, je pense que le problème, c'est qu'on n'a pas toutes nos troupes. Hey, hear me! Warriors! Forward! Horse! Move! Soldiers! Spread out! Horses! Move! Troops! Move out! Eux, par contre, ils ne viennent pas, ça c'est sûr. Rider, move! Donc on va avancer. Forward! Soldiers! Get moving! Cavalry! Forward! Warrior, move out! Hear me! Troops! Move! Allez, c'est parti. Soldiers, get moving! Horses, move out! Hear me! Forward! Horse, move! G!
Soldiers! Move out! Troop! Shield forward! Ride off! Forward! Allez, chopez-les bien correctement. Cavalry! Get moving! Soldiers! Move! C'est bon, ça y est, ils débarquent, je pense. Ils sont un petit peu en déroute là. Hein. Ils reçoivent le renfort, on replace, on se replace. Soldiers! Get moving! Riders! Move out! Warriors! Move! Et on repart au combat. Ça, c'est l'Empire, ça. On les élimine tous. Pas de survivants. Bon, il y en a déjà, mais c'est pas grave. Allez. J'ai envie de prendre un petit peu de leur terrain. J'ai envie qu'ils me supplient de déclarer la paix, de faire la paix avec eux. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Il va falloir attaquer le château d'Ortegia, ou, enfin bon bref, ce château quoi. On va réaugmenter, tiens, ça coûte 7 points maintenant. 75 défenseurs. On va voir ce qu'ils font. Et surtout, combien d'hommes est-ce qu'ils vont rassembler? Ils se rassemblent où? L'Idéon, juste à côté. Parce qu'on a un œil sur eux. On va avoir un œil sur eux. On a perdu quand même pas mal de monde. 284, 369, 300, 400, 500. Il y a encore un autre là-bas. Ça commence à devenir dangereux. Ça va être difficile là. 500, 600, 700. Ils vont être 800. 900 et quelques. Voilà, ça devient trop dangereux. Va falloir que j'attaque. Faut que je passe à l'attaque là. Ça va pas être possible. Vous êtes fait comme des rats. If you please. Pas le choix, va falloir passer à l'attaque. Ça c'est bon. Alors attendez voir.
Pour le moment, on est bon. Leveland, il reste sage pour le moment. Eux, ils vont à Lagetta pour assiéger. Ils sont 84 défenseurs. Il va falloir, après ce combat, que j'y aille immédiatement. Allez. On a quoi? 145 ici. Ouh là là. Ils sont quand même trop nombreux. Et eux, ils sont juste là, d'accord. Alors, déjà, eux, on les met là. Eux, ici. Allez, c'est parti. Je sais pas s'ils viennent au combat. En tout cas, il y aura 5 cavaliers. Devrait débarquer. Moi, je pense qu'ils sont en train de se planquer. Débarque. J'aurais pas cru. Peut-être envoyer un petit peu tôt, mais bon, on va voir comment ça se passe avec les renforts. Mal loupé. Je vais améliorer mon arme à deux mains du coup, sans bouclier. C'est vrai que j'utilise quasiment jamais.
cette épée, c'est seulement avec le bouclier, mais jamais sans, quasiment. J'avais fait une fois, il n'y a pas si longtemps. Ça m'a valu des points en plus. Ok. Alors ça, on va prendre cela et cela. À 810, j'avais dit que je devais absolument défendre Nagata. Elle m'a pas fait un autre gosse en fait, ma femme là. Qu'est-ce qu'elle attend? La vilaine. Tac tac tac. Est-ce que j'augmente sa force? Non, il y avait le contrôle augmenté quand même. On va augmenter un petit peu son contrôle. Et puis je vais augmenter son arme d'ast. Parfait. Je préfère attaquer encore par moi-même. Ça va faire beaucoup de batailles. Pour le moment, j'avoue que je ne récupère pas grand-chose, mais... D'accord. On va déplacer celui-là comme ça. Donc ils sont juste là. Comment est-ce qu'il est le terrain? On va les envoyer ici, les archers ici. Là. Allez, c'est parti. On va déjà voir s'ils avancent. Ça a tout l'air, ok. C'est très bien. Soldiers, arms like the parts. Hear me. Get moving. Troops. Ah non, il n'avance pas. Non, il n'avance pas du tout. Ok. For soldiers. Move. Horse. Move. Riders. Move out. Warrior. Get moving. Soldiers. Ils ont combien d'archers? 88. Soldiers! On va les avancer. Non, ça va, ils sont déjà bien avancés. C'est largement assez. Warriors! Raise the shields! Tuisant, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe hein? Qu'est-ce que vous foutez? Allez, ils vont débarquer, non? Toujours pas. C'est tout bon. Soldiers, side by side.
Allez, je vais les laisser finir, là, ça sert plus à rien. On a que des fuyards. Ça compte prisonniers, mais j'ai plus de place. Par contre, ce que je vais pouvoir faire. C'est ça? Rassure-moi. Ah, c'est bon, je les ai gardés. Quand même. Qu'est-ce qu'on a gagné ici? Maniement à deux mains, bah voilà. Augmente vos dégâts de 10% avec les haches à deux mains et les masses d'armes à deux mains. Augmente la vitesse de maniement des armes à deux mains de 3%. Je vais prendre celui-là vu que tu n'utilises que des épées. Est-ce qu'il y a un nouveau groupe en formation? Pour le moment, ça n'a pas l'air. Ici, ils n'ont pas l'air non plus d'attaquer quoi que ce soit. Je vais donc pouvoir continuer et tenter cette fois-ci. Non, d'abord, on va quand même passer à la guetta. On va faire ça. Ok, on commerce également. 30 000. Alors d'accord. 134 000. À moins qu'ils aient quelque chose d'intéressant. Ouais. À 89 000, je peux m'acheter un nouveau casque. Et je gagnerai tout de même 1 en armure. C'est ridicule. Ici, qu'est-ce qu'on a? Non, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ça, par contre, ce serait plus son estoc. C'est un tout petit peu plus grand. En maniement un petit peu moins rapide. Je me demande par contre si je devrais pas me prendre un arc long. Parce que là je suis à 6,94 donc le rang de l'arme. 6,91 en vitesse. Dégâts 80, dégâts 95, précision 98. Ici on a 100, vitesse de projectile 90. Et là 85. Donc non, mon arc noble n'est quand même pas trop mal. Hein. Je pense. Ici, non plus, ça sert à pas grand chose. Donc en fait, j'ai pas grand chose d'intéressant. Non, du coup, ce que je vais faire, c'est un. On va vendre, mais. Je vais plutôt sur le prix en bas. Je vends au maximum. À 353, est-ce qu'on a quelque chose à 353 ici? 333 et puis à 20, on a peut-être quelque chose à 20. Histoire d'être précis, voilà, tiens. Parfait. Donc normalement là je suis tout bon, les 12 prisonniers je les garde. Et bien entendu, on va tenter... Ah. Est-ce qu'ils vont s'avancer au château là-bas, parce que j'aimerais bien prendre du terrain chez les autres. D'accord, là je peux pas pour le moment. Ensuite on a quoi? Qu'est-ce que je voulais savoir? Qu'est-ce que je voulais voir? Oui, ça. Et là on pourrait faire la paix avec eux en recevant un tribut de 860 par jour. Est-ce que je fais la paix avec eux? J'ai quand même gagné du terrain. J'aurais pris Ortizia et la Guetta. Et par contre, avec les Vlandes, là, il faudrait que je les éradique. Donc, c'est-à-dire que château de Garantor, château de Tubilis et Kias, je les prends. Et je les laisse leur petit château là-bas en bas. Comme ça, ils restent en bas au sud.
et ils ne m'emmerdent plus. Ce serait pas mal. Par contre, je me rapprocherai des Azeraï et du coup, eux risqueraient de me déclarer la guerre. Donc, moi, ce que je pense faire maintenant, avec un soutien de 4%. Mais pourtant, là, ouais, je sais pas. C'est hésitant quand même, parce que là, ce serait le moment de pouvoir avancer encore un bon bout avec eux. Je vais quand même me diriger vers le château là-bas. On va voir ce qui est attaqué. C'est quoi ça, servage? Qu'est-ce que vous me proposez là? Foutez de ma gueule? Les villages octroient 0,2 points d'affluence par jour au clan qui les dirige. Les villes gagnent 1 en sécurité mais perdent 1 en milice par jour. Oui, oui, en fait, c'est tout à fait faisable. Oui, je suis d'accord. J'accepte. Si j'ai bien compris le truc, il me semble que c'est tout bon. Pour le moment, ils attaquent pas. On va passer ensuite au sud. Je vais rester quand même attentif. Ok, pour le moment ça se passe bien. Allez, on va sur Ortega. Ils veulent faire quoi? Allez, cette fois-ci c'est la bonne, j'espère. Pour le moment, je n'ai pas d'attaque. Mais les Vlandes, je vais pas leur déclarer la paix tout de suite. Hein. Ça, c'est sûr. Ils vont me le payer pour le château qu'ils m'ont pris. Alors, 628, c'est armé. Eh ben, je vais devoir arrêter le combat et puis me les refaire également parce que là ils vont m'ennuyer. Je vais devoir me les faire encore une fois. Là c'est tout bon de nouveau. Enfin je crois. Hein. Ah ouais, tout est ok. It's been a while. Honnêtement, vous savez quoi, j'ai juste tenté quelque chose. J'ai sauvegardé et je vais envoyer les troupes juste pour savoir. Et je perds que 57. Hein. Ils sont quand même meilleurs que moi. Il n'y a pas photo. C'est hallucinant, mais bon, tant mieux, hein. D'un côté. Mais j'aimerais bien me faire quand même quelques petites batailles. Pour dire. Oh. Ouais, ça pourrait intéresser, elle. Là, on a mieux également. Peut-être plus petit, je sais pas. Ok. On va faire un tour en ville là. Où est-ce que tu vas toi? Je sais pas trop. Et puis on va faire un tour également à Nidéo. Ah! Château de Troctaraoué, ok. Donc on va faire un tour là-bas. Vite fait. Donc c'est les Vlandes, hein. Ça je pense.
Ils sont combien normalement là? Ils sont 300 et quelques. Non, 174. Effectivement, c'est pas beaucoup. Ici, 186, c'est pas énorme non plus. Eux, je pense qu'ils vont s'attaquer après à la guetta. Je pense que je vais faire la paix avec eux. Ah, 2570 maintenant. Allez, j'accepte. On fait la paix avec eux et maintenant les Vlandes, on va les éradiquer, ces petits salopards. Ou presque, on va peut-être leur laisser un petit château quand même. Histoire de pas être trop être méchant. Mais j'ai fait l'erreur de leur laisser une ville. Résultat, ils en ont profité pour m'attaquer par derrière. Donc là, ils vont le regretter, mais alors sévèrement. Attention, je débarque. Vous allez voir ce que vous allez voir. Les pierres, je te les prends. Très bien. Ouais, c'est bon. Les pillages, je pourrais leur les donner quand même. Ouh, là, je vois qu'ils foutent un peu le bordel ici. Regardez-moi ça, là, toutes ces fourmis rouges là. On va les dégager de là. Non, mais sans déconner. Non. Toutes ces petites fourmis, quand même. C'est affreux. J'hésite quand même à les éliminer, ceux qui m'intéressent plus. Histoire qu'ils ne m'ennuient plus vraiment, quoi. Qu'ils restent calmes. Ou par contre, ils sont vraiment très lents hein, pour la construction ici. Et bah tant mieux. Juste quand même que je fasse attention, pas qu'ils attaquent, je pense que c'est bon. Ils ont pas formé une autre armée. Ça n'en a pas l'air. Non, c'est pas ce que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. Allez, attaquez-moi ça! Très bien. 95, hein, on envoie les troupes. Hein. On va s'ennuyer. Les troupes, je les prends. Les prisonniers, j'en prends pas, je pourrais en prendre un, mais bon, ça ne me sert à rien. Oui, ça je sais, merci. On fait preuve de pitié. Ça après, c'est tout bon. Défenseur 6. Je sais plus à qui appartenait le château de Gorantor. On va aller à Artisia. Et après, on va redescendre au Cuse. Au sud. Ah non! Il réattaque là-bas en haut. Les vilains. Le château de Gorantor, c'était pas à eux en fait avant. Hein. C'était à Berrican. On va leur donner à eux.
J'espère qu'avec Ancurion, ça va s'améliorer. Les autres, ils vont pas trop être contents, mais c'est pas bien grave. Comment ça se passe? 175. Ah, ils ont fait une armée, ouais, j'ai pas vu, je les avais pas vu passer, je crois. Et ils rattaquent le château de Garantor, mais j'y crois pas. Comment ça bien faire? Bon, évidemment, avec le peu de personnes que j'avais laissées. Bon, je crois que j'ai pas d'autre choix que de leur laisser des troupes. Cela. Tiens, si je peux en recruter, je vais en prendre. Ensuite, on va donner à mon frère. Les recrues, on les garde. Ouais, j'en ai quand même pas mal à donner là. Allez, vas-y, on les donne à la suite. Tiens, prends tout cela. Nickel. Allez, château de Garantor. Il n'avait que 8. 27 maintenant. Ah bah, ils sont en train de se faire péter la gueule ou pas? Non, ça va. Ils se défendent bien. Ah, ils ont abandonné. Tant mieux. Well, yep. En plus, c'est Monsieur Dertert, mais c'est très bien. Tu vas venir avec moi, toi. Cohésion, dis donc, elle descend vraiment très vite en ce moment. Et puis, il va être temps d'ailleurs que j'arrête. Non, 23 ici, un petit peu moins. Allez, on va lui donner une recrue quand même, c'est pas grave. J'ai vite Ortizia. Allez. Ah bah tiens, ils sont revenus encore, mais c'est pas possible. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ah, ils abandonnent pas, hein, les Vlandes. C'est pas grave, on va vite les attaquer encore une fois. Réduction des dégâts à distance. Je crois que j'avais personne pour ça, 79 000. Et puis ici, ah, ici j'en ai vraiment beaucoup. Allez, on y arrive vite. Je vais vite m'occuper de l'armée qui attaque mon fort. Et après, on va descendre au sud. On va s'occuper des derniers. Allez, tiens, vas-y, je te fais cadeau des 4 deniers. Il y avait encore des prisonniers. Ok, comment est-ce qu'on s'en sort ici? On a encore un petit peu à monter. J'en ai encore, tiens. On va lui donner. Recrue, et puis tiens, vas-y, prends tout cela. Ici, là, on n'a rien gagné, c'est tout bon. On part et on va vite se faire cela. En espérant qu'on arrive à temps. Ça, on a tout l'air. 16 morts, c'est parfait. Des prisonniers encore et toujours. J'ai réussi à les louper, ceux-là, j'y crois pas. Oui, oui, t'as raison. Oh le vilain, j'ai loupé également. Allez, je me dirige vers leur fort. Ils sont que 225. Et je vais m'arrêter là pour le moment.
Et c'est parti, en tout cas pour la prochaine fois, et ben je vais m'occuper sérieusement d'Evland. Parce que là, je commence à en avoir marre de les voir. Et je commence à en avoir marre qu'ils débarquent et foutent un peu le bordel chez moi. Donc ça va être terminé. Et j'ai pu prendre Nagueta également. J'ai juste pas réussi à prendre RTGA, malheureusement. J'aurais bien voulu quand même avec Rotae. Mais on peut pas. Ça peut pas toujours se passer comme on le souhaite, malheureusement. Donc voilà, en tout cas, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!